Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de mariage. Déjà, nous voulons vous présenter nos plus sincères excuses pour ce grand retard. Tout de suite, nous allons assister à l'arrivée de l'homme de ce soir qui est accompagné de notre pasteur Jean-Octavius Nelson. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir Monsieur Marcelin Félix. Pasteur Jean-Jacques Meos, qui est responsable de l'église du Nazaréen de Pentecôte, accompagné de Pasteur Paul Réginal. Et il y a aussi Pasteur Philippe Pierre-Louis. Et Madame Marie-Claude Chéry, la marraine, je vous demande de bien vouloir les applaudir, s'il vous plaît. Mademoiselle Ashley Bonnet et Laïcha Bonnet. Chelsea Bonnet and Jaden.
Nathalie, Steven, Edwin. You are so lucky, man. Je vous demande de bien vouloir accueillir ce soir la sœur Floryse Printemps. Accompagnée de sa fille Rizaï. On attend, Zaza, tu attends là. Il y a Monsieur Marcin qui va prendre sa femme entre les mains de sa petite fille. Yes. That's it. God is good. Ne sont-ils pas vraiment belles ensemble, mes chers amis? When you put your hands together, please lock the tax out. Debout devant vous ce soir, autour de Frère Marcin Félix et la sœur Floryse. Nous vous demandons grâce, toutes sortes de bénédictions pour les accompagner. De la même façon, Seigneur, tu as institué le mariage dans le jardin d'Éden. Quand tu venais sur la terre, le premier miracle que tu as accompli, c'était au noce de Cana. Seigneur, nous te demandons de
bénir ces deux jeunes gens qui vont s'unir dans les liens du mariage en quelques minutes. Nous vous prions aussi de bénir l'assemblée tout entière, ceux qui sont venus de loin pour supporter, appuyer ce que tu toi-même as institué. Aussi, Seigneur, nous te demandons de bénir nos frères, les pasteurs qui sont ici. Bénis aussi les célébrants, les mères au Dieu, que le Saint-Esprit les assiste dans leur tâche. Ce soir, Seigneur, nous te demandons, sois avec le dirigeant. Et nous te remercions aussi pour ce bel commencement, ce beau commencement que nous avons déjà vu dans cette cérémonie. Nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner tout le long du service et de jeter, déverser sur l'Assemblée et sur les futurs mariés toutes sortes de bénédictions. Nous t'en prions aussi, ainsi nous t'en prions, dans le nom de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Pour célébrer l'union sacrée du frère Marcelin Félix et la sœur Florise Breton, c'est un honneur de partager ce moment de joie et d'amour avec eux, avec chacun de vous, leurs proches, leurs amis et leurs familles. Le mariage est une institution divine fondée par Dieu lui-même. Un engagement sacré entre un homme et une femme. La Bible nous rappelle l'importance de cet engagement dans l'Éphésiens 5, le verset 31, où il est écrit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'amour, de l'engagement que le frère Massonet et la sœur Florise Breton partageant et sont choisis de marcher ensemble sur le chemin de la vie, guidés par leur foi et leur amour mutuel, comme nous le rappelons dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 au verset 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne se vante point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout et supporte tout. Nous remercions Dieu ce soir pour ce merveilleux jour. Et ce soir, nous allons dans la dernière annonce du mariage. Et le frère Marcelin Félix et la sœur Florise Printemps. Je demande que le frère Massonet et la sœur Florise debout moi, s'il vous plaît. C'est ma dernière annonce. We're going to ask Sister Florise Printemps and Brother Massonet Félix to please stand up, and that's going to be my last annonce as a pastor. Et si quelqu'un ici qu'on n'ait aucun empêchement
pour que ces deux personnes soient liées ensemble, qu'il déclare maintenant. If there is anybody who knows something that can stop this beautiful and amazing event tonight, please stand up and say what you know. Et sinon, ce sera fermé pour jamais. OK? And if you knew something and then you left this opportunity after tonight, you will have to buy a tape to put in your mouth. You know what I mean in Creole, right? Okay. But we're going to keep it classic, right? Amen. Et non. Le frère Marcel Félix, voulez-vous prendre la sœur Florise Printemps pour votre épouse de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, la soutenir, l'honorer et la garder dans la maladie, dans la santé, renonçant toute autre femme? Voulez-vous s'attacher à elle seule tant que vous vivrez tous deux? Oui, pasteur. Passez-nous. La sœur Florise Printemps, voulez-vous prendre cet homme, le frère Massin Félix, pour votre époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, l'honorer et le garder dans la maladie, dans la santé, et renonçant à tout autre homme? Voulez-vous attacher à lui seul tout autant que vous vivrez tous deux? Oui, parce que... Amen. Parliez. Vous aussi, étant parents, étant membres de famille, étant amis, donnez-vous votre bénédiction à cette union. Et maintenant, nous allons faire appel à notre bien-aimé frère Jacques Beaubois pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons vous demander de bien vouloir vous mettre debout. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Nous lisons le verset 22 au verset 33. Je lis pour vous. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles, afin de les sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais simple et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous, sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire place à notre bien-aimé pasteur Paul Réginal, qui va nous conduire dans un chant. La Seigneur est venue de ce métier, nous avons chuté le numéro 43. Un Seigneur dit, quand la fidélité au Dieu mon Père, je crois nous votre grâce de chant. Quand la fidélité au Dieu mon Père, chez toi ni le grâce du chant, je m'en tes compassions ne sont pas
Merci, nous capables chita et Kounia nous fait place avec un groupe qui va présenter un morceau sous la direction de notre sœur Véronique. Les démons mariés, c'est pas grave, il va rien bien si c'est parce que Yorini pour la vie et au serranté. Tout le monde a fêté. Avancez.
accompagnement à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous, on que en fleurs, c'est que nous attendons que Dieu vous laisse vous plaît. Parce que nous, ok, Marina, que Dieu vous à la droite. Ok? Amen. Moi, je vous remets avec vous. Amen. Ok. Bon. C'est ça. Amen. Père, vous avez. Qu'est-ce qui va passer? Belle data. Yeah! Après tout, c'est un bagage. Après tout, moi, je vous belle. Et Bible a dit que nous avons un moment qui est réellement important. C'est le moment où les gens vont parler prendre vœux en s'engageant. La parole de Dieu dit dans Proverbe 20, le verset 25, il dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Ça fait que, parmi eux, c'est pas des petits mondes, c'est des gros mondes. Et engagement sacré, le Père Soya, parmi eux, le Seigneur vient vous demander une compte pour engagement sacré. Alors, c'est ça, fait la parole qui dit que ça, mon Dieu, il dit l'homme pas capable de séparer. Ça fait nous dire encore, nous devons réfléchir son façon avant que nous fassions ça qui pense ensemble. Et dans le moment ça, pas de frère ma soeur. N'est-ce pas que je vais dire ça? Je ne sais pas si je vais dire ça. Nous disons merci et fais ma soeur. Allez, bien après moi, s'il vous plaît. Il faut s'arrêter. Quand on entend du bal, elle va vous donner. C'est ça. Amen. Moi, je suis cruel pour ma soeur. Bon cœur, vous êtes prêts à vous. Amen. Dit que moi-même, vraiment saint. Moi, prends Floris, prétend. Pour épouse-moi. Pour garder. Non, jour à venir. Pour meilleur. Pour pire. Non, richesse. Non, pauvreté. Non, maladie. Comme dans la santé. Pour me rêver, pour me chérir, jusqu'à ce que mon Dieu sépare nous. C'est selon l'ordonnance de Dieu. Sous ça m'engage foi. Applaudissez le Seigneur. Personne encore faire sa bague.
Seigneur mon Dieu, nous consacrer ces deux vies. Que ta puissance, ta grâce et ton autorité te posent sur nous. Que nous voyons marque, cher Seigneur mon Dieu, pour le frère Ancien, pour la sœur Florise, quel que soit à côté au passé, tout le monde va voir ces deux personnes qui sont liées ensemble. Et personne n'a pas le droit de gêner. Seigneur, bénis ces agneaux. Bénis ces agneaux. Et bénis la sœur Florise ainsi que le frère Massin. Dans le nom de Jésus, que nous devrions qui vit et qui régner au siècle des siècles. Amen. Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen.
Confié à nous-mêmes comme ministre de l'Évangile, nous déclarer frère Massin et la sœur Florise, Madame, Monsieur et Madame, à la gloire de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Applaudissements. De patience pour le retenir, c'est ça qu'on est supposé applaudir plus fort. Et nous prenons le temps de pasteur Philippe Pierre-Louis qui prend prodiguer quelques conseils avec nous. Ça va être un choc méditation, mais avant de faire ça, nous prenons faire place avec Jack Smith qui prend prier le Seigneur pour nous. Donc, applaudis, jeune homme, tout ce qu'on prend. Cher Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, adorable Père, Papa, nous qui sommes dans le ciel. Nous, infiniment, nous avons à Seigneur dire merci pour bonté, pour amour envers nous, Seigneur. Nous vous remercions de ce que vous permettez que après-midi, ça, Seigneur, mon Dieu, est capable de un moment de joie, cher Seigneur, mon Dieu, pour chacun de nous, spécialement pour. Pour ça, Seigneur mon Dieu, qui est entré dans le lien du mariage, Seigneur mon Dieu, nous déjà c'est un bon bagage que nous-mêmes avons institué et nous-mêmes avons fait. Après nous, dans le moment, ça, Seigneur, on va continuer, cher Seigneur, jeter grâce et la bénédiction sur nous-mêmes. Mais c'est lui, ton bon Dieu, qui va écouter parole, Seigneur. Nous prions dans le moment, ça, Seigneur, Papa, afin que on va utiliser l'air bouche, cher Seigneur mon Dieu, afin que parole va une prescription, Seigneur mon Dieu, pour comme ça, Seigneur mon Dieu. Qui joignent ensemble, vous dit ça, Seigneur. C'est prié que nous adressons. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui vient qu'il aille au siècle des siècles. Amen. Et nous mangeons capables d'applaudir ensemble avec nous notre bien-aimé pasteur Philippe Pierre-Louis. Gloire à Dieu. Avec le frère Massin, maintenant et sa femme. Yes. Et sa femme. La soeur Massin. La soeur Massin. Nous allons prêcher au Proverbe chapitre 5.
Proverbe, le chapitre 5, le verset 15 jusqu'au verset 19. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul, qu'ils soient pour toi seul, et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Que ta source soit bénie. Fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps émivré des charmes, sans cesse de son âme. Il y a certaines définitions du mariage. Certaines définitions du mariage. Et il y a des définitions qui sont bonnes. Il y a des définitions qui ne sont pas bonnes. Et une définition du mariage qui dit que le mariage, c'est l'union entre deux êtres. Le mariage, l'union entre deux êtres. Cette définition-là n'est pas bonne. Parce que lorsqu'on dit l'union entre deux êtres, un homme et un animal, c'est deux êtres. Deux êtres. Une autre définition, le mariage, c'est l'union entre deux personnes. Cette définition-là aussi n'est pas bonne. Lorsqu'on dit l'union entre deux personnes, deux hommes, c'est deux personnes. Peuvent se marier. Deux femmes peuvent se marier. Parce que deux femmes, c'est deux personnes. Deux hommes, c'est ça? Mais la définition claire et nette, c'est que c'est l'union légale entre un homme et une femme. C'est la bonne définition. Et la Bible nous dit que Dieu crée l'homme et la femme. Notre sujet ce soir, c'est dit, fais la joie de la femme au lit. Amen. Fais la joie de ta femme au lit. Elle dit. Au lit. Fais la joie de ta femme, dis ça au lit. Ouna. Fais moi mal bien ou dans la cabane. Ouna, comment faire la joie de ta femme au lit? C'est la grande question. Allez, mes amis. Moi qui vous donne, moi qui vous empile, vous le précis et clair. Entre l'homme et la femme, il y a une grande différence. Entre l'homme et la femme, il y a une grande différence. Et c'est de ça que l'homme au lit.
l'homme au lit, à 80% homme, toujours pas fait la joie de la femme ou de sa femme. 80% homme. Pas fait travail, pas mal fio, joie, plaisir qui bon au lit. La carbone. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Si nous avons une distance de ici à là, à partir de ça. On distance de ici à là, à partir de ça. C'est une route pour ni fia, ni garçon, on fait qui ça? Hein? Ensemble. Une part qui doit prendre devant l'autre. Vous avez dit tout gagné. Ouais. Vous avez dit ça? 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 Pour y arriver, pas personne n'a pas une minute. Message expressionnel. Oula, oula. Pour y arriver, pas personne. Ah, moi, dis ça. N'a pas une minute. Pour monsieur arriver, pas personne n'a pas 10 ou 15 minutes.40%.
40% gol. Ah, c'est là. Fais ça et Salomon dit. Salomon dit, dans le cantique des cantiques, chapitre 1er, verset 1er, il dit qu'il ne baise des baisers de sa bouche. Qu'il me baise, qui ça? Des baisers, qui ça? De sa bouche. L'homme, en voilà le fait gol, c'est bouche qui vous l'utilisez. On appelle ça préliminaire. Pour me arriver dans le camp pour nous faire voir ça ensemble, pas courir de vos cours perdus qui sont utilisés ça. Moi dis que là entre l'homme et la femme dans sa relation sexuelle légale lit 60% de ça oral. Vous pouvez utiliser vos jours à 60%. Ça veut dire, frère Basse, je dis à la halle, elle est la caille. Frère Basse, je ne parle pas de la courrie. Calme down. Voilà. Par exemple, pas le couille. Posé. C'est parler pour parler. Ça veut dire tout homme qui va parler, ben là. Et ça crase un peu le foyer. Vous avez là, tout homme qui va parler, ça le fait, il va dire là. Ou faire gol, il n'y a pas faire gol. Vous savez, ou faire gol, il y a ça, pas faire gol. Il n'y a pas de deux amis. Tenez bien, c'est son terrain football. Vous savez, ma frangin là. Lorsqu'on va sur un terrain, on va connaître le premier son fait. Attendez. Premier son fait, t'as vu, entre Argentine et le Brésil. Argentine et le Brésil, il n'y a pas de terrain. Son fait, premier son fait, on va chercher à connaître le terrain d'abord. Je vais aller plus sensible. Mais c'est ça? Ou avoir découvert des gens, les plus sensibles. Les plus sensibles de la femme. Oula. Ça, les plus sensibles. Et tout ce qu'on dit là, c'est à qui ça? À qui ça? Avec qui ça? Avec bouche. Avec Méo. Bon Dieu crée la bouche de l'homme pour quatre bagages. La bouche de l'homme. Bon Dieu crée ça pour quatre bagages. Un, pour parler. Deux, pour bon Dieu gloire. Trois, pour manger. Quatre, organes sexuels. La bouche, c'est bouche ça? C'est organe ça? C'est sexuel. Allez. Bon, qui nous baise les deux amis. Il y a un seul côté que l'homme
l'homme ni la femme pas capable d'aller dans le corps. Madame ni, c'est ça, vous voulez ça, vous voulez Alice, vous voulez Alice. Ou pas qu'il va aller à Alice, qui a fait un examen, il a Alice. Après ça, c'est pour qu'il me baise ça, de baiser ça de sa bouche. Utiliser le bouchon de Madame Alice qui a tout côté dans le corps. Vous êtes là? Gain fille vaginale, gain fille clitoridienne, vaginale. Les femmes vaginales, c'est mon parlons. Les femmes vaginales, c'est boule là pour voir la carte. Les femmes clitoridiennes, c'est bouchon pour utiliser plus. De tous côtés. Vous avez entendu? Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas vu mon fils, nos maisons, nos gars qui ont souffert. À chaque fois. À chaque fois qu'on lit, il perdit la bataille. Et ça fait que mon fils fusille le gars-là, ou que mon fils fâché, ou que mon fils ça. Ou un fils à bagarre bien, c'est parce que il y a ça. Il est découragé. À partir de ce moment-là, il y a ce moment-là. Mais cette Floris-là, c'est madame où? Ou qu'a fait cette Floris-là veiller l'envie de l'absence de travail, regardez, pour lui donner de l'eau pour vous, et puis on va faire ça. Ou qu'a fait Floris-là, regardez. Tout le temps, le riz de football. Vous avez ça, oui? Mon café, c'est pour lui tout pareil, vraiment riz de football. Parce qu'il n'a pas fait gol. Dès qu'il n'a pas fait gol, si on fait gol, il n'a pas fait gol, et le coup de là, on vit tout le monde égoïste. Vous avez ça, vous avez ça? Vous êtes égoïste. Vous avez vu ça? Il n'y a pas même sous bagage comme ça dans le foyer parce que il n'y a pas juste ça. Il fait la joie de la femme, ça. De ta jeunesse. C'est pour faire joie, fille. C'est pour faire sentir que son homme qui n'a qu'à là. Et chaque jour, ou des côtés où on découvre souterrain. Bon côté, ou grand boulou, bouchou, et ou passe bouchou, là il veut côté ça, il y a un bon mouvement fait, ou dit. Et vous retirez quand ou à l'autre côté. Ah, c'est là. On retire quand tu vois, à l'autre côté, on découvre l'autre côté. Vous avez découvert ça? L'autre côté. Vous commencez? L'offre préliminaire, c'est propre fille, ou faire gol, même bien ça, même là. Tout de marche au stade, sans faire bien là, vous faites ça? Gol. Dès que vous faites gol, il va faire gol. Regardez, on va dormir. Faites très attention samedi là. Amen. Après ça, il y a quelques filles qui vont faire. Il y a quelques serviteurs qui vont passer là. Mais ton mari, il y a des filles qui vont tomber. Monsieur, à partir de ce là, à l'utiliser samedi là, qui vous gagne 20 ans dans ma vie, il va à l'homme juif. Parce que ça a roulé, qui ça a roulé orgas. Qui ça a roulé point G. Non, mais pas ça. Et pas, orgas, qui ça? Point G. Moun, pourquoi pas pour ça? Qui orgas. L'on femme fait pour le bébé, qui ça? Or, vous mettez dans l'orgasme. Ou tirez, qui ça? Le point G, qui ça? De la femme à travers qui ça? À travers qui ça?
avec Isaac. Tout ça, on dit Isaac, qui me baise Isaac, de la baiser Isaac, de la bouche. Je dis à la main, mais c'est dans tout le monde. Dégagez. Parmi un doux, prends. Prends ça. Prends ça. Pas courir à cela, même. Prends ça. Prends tout ça. Prends tout ça. Prends tout ça. Je les ai oubliés. Bonjour, béni. Mais il faut qu'on connaisse toute communauté noire, bon problème éducation sexuelle. Mais c'est comme ça, bon Dieu, que les choses passent. Et pas quoi que l'éducation qui soit faite à soi, elle est faite seulement pour notre bien-aimé frère Marcelin Félix et la sœur Florise Félix, mais elle est faite pour tout monsieur qui est là à soi, pour nous rééduquer, tête nous, pour que match, nous ne parlons plus de faire match nil, monsieur, nous ne parlons plus de faire mon nom, faire même faire corvée. C'est vrai qu'il y a un pile de bagages qui te fait nous rire, mais moi je voulais nous prendre au sérieux tout ça qui dit à soi pour nous réfléchir à la façon que nous jouons macho sous cabane. Que bon Dieu capable de bénir à soi. Seigneur éternel, notre Dieu, nous vous remercions pour ce beau moment nous passer ensemble. Bénis tout le monde qui est loin pour nous supporter. Belle cérémonie ça qui fait là à soir.
encore une fois, Seigneur, nous demandons de verser bénédiction sur la sœur. Maintenant, sœur Félix et frère Félix, dans l'union, ils ont à peine contracté, Seigneur Dieu. Et une autre fois, Seigneur, nous demandons une bénédiction spéciale pour ceux-là qui sont loin. Là où ils ont honoré Daniel qui chantait, ils ont fait un message passé, un gros message. Et pasteur Philippe qui fait éducation à souhait à Seigneur. Peut-être que l'éducation, ça, nous recevons la souhait, capable utile nous. Non, mais ton mariage, c'est qu'on s'allie. C'est pas un des mariages, mais dans le temps de mariage, c'est qu'on s'allie. Et c'est parole de Dieu. Bah nous, c'est bon de créer nous et lui éduquer nous qui j'en nous veut faire, ça nous veut faire. Nous bénissons Seigneur, nous grandissons pour nous dire à soi, pour nous rendre contents, pour nous rendre en joie, pour nous rendre belles, pour nous mesdames chanter bien. Et nous connaissons Seigneur, il y a quelqu'un pour nous parler qui occupe tout dans la cuisine. Ça a son gros goût. Et Seigneur, nous, quel que soit côté, bénis-nous dans le dévouement et dans tout service, Seigneur Dieu puissant. Nous allons séparer, nous connaissons, puisque tout le monde est venu pour la bénédiction à frère Félix et sœur Floise. Nous connaissons que nous rejoignons ensemble avec eux. Et ça, quand nous prions, à continuer à prier pour eux, ça, qu'ils ont mis à prêler et encourager eux sur route-là. Ce route-là n'est pas facile. Que grâce au Papa mon Dieu qui gagne tout pouvoir pour pénétrer côté le vrai, l'enlevé, capable de déverser sous coupe ça et sous toute l'assistance là, de assurer pour jusqu'au grand jour de l'éternité. Allez en paix, que bon Dieu bénisse.
personne t'a caféné. Ou baga la game bouchon nouye. C'est l'ou ka montre m'salan mouye. Chaque fois méprisé m'l'esprit m'troublé. Chaque fois m'senti que m'wè a flashé. C'est si bouchou pou m'da mode la. Sous nom chéri pou m'da pote ou la. DJ Play, on va dire ça. Pou m'da longe m'il du papa. Non, ça c'est DJ Play. Maintenant, nous allons accueillir
Ah, faut nous ranger nos colombiens parce que moun sa yo, yo kon danse, tout bon moun nou pral rele la yo. Il s'agit de Pasteur Jean-Gilbert Toussaint et Madame Marie-Claude Chéri. Mesdames,
Mesdames et messieurs, chers filles, définie comme étant l'union indissoluble de l'homme et de la femme, le mariage a été considéré un engagement sacré. Venant de Dieu, le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. En ce pourtant attendu, je ne trouve l'expression pour exprimer mon assentiment à l'égard de M. Masselin et Mme Floris, qui viennent de frayer une nouvelle voie dans leur vie. Chers filles, en quelques termes, faut-il encore vous remercier de m'avoir doté pour l'accomplissement de cette grandiose tâche d'une honorable commère dont je suis fier. Cette date du 22 juin 2024 restera cèdre à jamais gravée dans vos esprits, date à laquelle vous avez pu réaliser vos aspirations en vous, orienter résolument vers ce noble but. La matérialisation du rêve qui hantait vous êtes un idéal, à savoir notre union légitime par devant Dieu et par devant les hommes. La réalisation chrétienne de deux en une seule chair de la parole sacrée. Mes chers filles, je m'en voudrais tant en mon nom personnel qu'en celui d'honorable commère de ne pas attirer l'attention sur la signification du mariage, les multiples détails de la vie conjugale et les problèmes auxquels vous aurez à faire face. Avoir un homme ou une femme, c'est une chose courante de vos jours. Mais avoir un foyer heureux, construit sur des bases solides, est plutôt difficile et même rare. Aujourd'hui, bon nombre d'hommes et femmes laissent de petits malentendus creusés, des abîmes entre eux. Quant à vous, faites preuve de maturité. Ne vous laissez pas dépasser les différents événements quotidiens. Désormais, cherchez plutôt en toute situation à vous maîtriser plus qu'auparavant. Ma chère Floris, souvenez-vous de cette prescription de l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu à propos du mariage. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Car le mariage, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les aussi doivent être à leur en toute chose la soumission
dont il réclame se résume dans le respect, l'obéissance et la compréhension mutuelle. Mon cher Marcel, vous devez vous efforcer pour faire plus de plaisir à votre femme. Plus de plaisir à votre femme. Soyez affectueux, mon cher, en elle. Car il n'y a pas d'âge qui protège un homme. Les manifestations de tendresse envers sa femme, acceptez-la comme elle est, sans prétendre la dominer. Car Dieu l'avait créée non pour être votre marchepied, mais pour devenir votre compagne. Et si vous apprenez à aimer votre femme, en tant que personne et non que simple représentant du sexe féminin. Votre mariage ne devra pas être une prison ni un enfer, mais un véritable univers où vous pouvez percer le secret de la vie conjugale. Et ainsi, réussir là où tant d'autres ont échoué. Je vous plaisir en terminant à vous convier, ma chère commère, chers parents et amis des conjoints aimables. Invitez à lever vos verres avec moi à la santé et au bonheur des époux, monsieur et madame Marcel Félix. Merci. Les choses étaient mélangées et compliquées, allez, bloquées. On dit même oui, oui, maintenant je suis tout près de toi. Maintenant je suis là où tu es. Je suis mariée. Je ne l'ai point trouvé, et abattu, désespéré. Je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi et je réponds oui. Je suis à toi, mon bien-aimé, tu es à moi. Maintenant je vis le bonheur près de toi.
Un havre de paix.
mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis ta corde. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Le bon Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâté, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, t'aimer. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que... Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâté, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, t'aimer. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer. Yeah.